et jusqu'à ce soir, j'ai obtenu le soutien de la totalité des candidats qui ne se retrouvent pas dans François Hollande ou dans la gauche. Toutes les décisions prises depuis le 6 mai vont à l'exact opposé de ce dont ce pays a besoin dans tous les domaines. Le redécoupage fait que nous sommes une circonscription originale composée de deux arrondissements de gauche et de deux de droite. Or, démographiquement, les arrondissements de gauche, le 9e et le 2e, pèsent plus lourd que le 8e et le 1er. Donc, quand les gens de droite n'aiment pas voter, naturellement, ça n'aide pas. Voilà, il y a un moment où le rassemblement est nécessaire, c'est un peu ce que nous sommes en train de faire ce soir d'ailleurs, et je remercie tous ceux d'entre vous qui s'y prêtent. Notre travail, dans les 4 jours qui nous restent, c'est vraiment de mobiliser notre électorat. Le message que je veux vous délivrer, très simplement mais très fortement, il est très simple. Autour de vous, dites bien qu'il y a un deuxième tour et que les gens ne croient pas que le score du 8e arrondissement suffit à élire le député de la première circonscription. On a un très bon candidat, on a une équipe de militants qui est vraiment fantastique. C'est en se battant qu'on gagne. Et si je peux servir modestement pour les superstitieux d'amulettes, de porte-bonheur, avec l'équipe du premier, on a l'habitude de ça, parce que dans toutes les élections municipales, on est toujours parti dans un combat extrêmement difficile. On a toujours dit, les sondeurs, les journaux nous ont toujours dit qu'on allait se faire rétamer. Et puis on a gagné. Voilà. Donc on sait ce que c'est. Et on a gagné parce qu'effectivement, on a fait une campagne de combat, de présence et de conviction. Je suis venue dire d'abord mon amitié à Pierre, puisque nous nous connaissons depuis fort longtemps. Nous sommes à tes côtés, je suis pleinement à tes côtés. Il n'y a qu'un choix à faire pour faire battre la gauche, pour la première circonscription de Paris et pour la France. Il faut voter Pierre Lelouch. Pour moi, l'écologie, ça appartient à tout le monde et ça ne doit même pas être un parti. Pierre Lelouch, qui est un enfant de Paris et un citoyen du monde, est porteur de cette vision d'ouverture et de modernité.